Bernard Chazel, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Informatique et sciences numériques. Il aurait presque fallu mettre le mot algorithme dedans, puisque c'est le Graal. Alors, l'algorithmique a deux volets. Un qui est purement utile, donc des algorithmes, c'est des brosses à dents, c'est des voitures et tout. Et le message que j'espère faire passer, c'est qu'il y a autre chose et que l'algorithmique est aussi un outil conceptuel, comme les équations sont des outils conceptuels, et qu'on va retrouver les algorithmes au cœur du langage scientifique. Toutes les sciences nouvelles seront concernées par l'algorithmique ? Toutes les sciences qui ont une complexité descriptive. Elles permettent d'ouvrir cette porte-là, de Absolument, la complexité. Oui. Alors, pour la plupart des gens dans la rue, complexe, ça veut dire difficile. Donc, la physique est extrêmement complexe parce que c'est un sujet très difficile. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais descriptivement, c'est un sujet qui n'est pas complexe du tout, qui a une complexité extrêmement faible. Et la preuve en est que je peux remplir une page d'un cahier avec des équations, et ces équations vont décrire à peu près 99% de ce qui se passe autour de nous. Donc c'est la preuve qu'on peut décrire de façon tellement concise que la physique est très concise. Et la raison pour ça, c'est parce qu'il y a des régularités, des symétries, des invariances. En biologie, ça n'est pas le cas, parce qu'il y a toute cette histoire. Donc on ne va pas pouvoir résumer les systèmes régulateurs du génome en remplissant une page d'informations. Complexité descriptive est nouvelle. Avant, ça n'existait pas. Enfin, si, ça existait, mais on n'y pensait même pas. Parce que sans ordinateur, on ne peut pas y avoir accès. Mais maintenant, on y a accès. Une masse énorme de données, et il faut essayer de comprendre tout ça. Et donc, toutes ces sciences-là, et certainement toutes les sciences médicales, biologiques et tout ça, sociologiques, économiques, financières, se retrouvent concernées. C'est vraiment un grand changement dans la science informatique ou même dans les sciences, la façon qu'on a de les aborder ? Moi, je crois que c'est un changement absolument fondamental. C'est sans doute le changement le plus important des 50 dernières années. Mais on n'en est qu'au tout début. Et ce changement n'est pas forcément et peut-être voué à l'échec. C'est pas forcé que ça marche. Mais ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que l'algorithmique est le seul langage possible. Et on saura, si ça ne marche pas, il n'y a pas de langage de rechange. Et donc, de même que les équations, c'était le seul langage de la physique relativiste. Si on n'avait pas su faire quoi que ce soit avec ces équations, eh bien, on n'aurait rien fait en physique. Ce n'est pas qu'il y avait un plan B, un plan C et un plan D. Et donc, on en est, à mon avis, un peu là. Donc, c'est une époque tout à fait passionnante pour les gens qui font algorithmique.